C'est la première fois qu'on vient ici, c'est la première fois, je crois, qu'on vient à Vesoul, tous les trois. On vient de Toulouse, on est passé par Paris, puis on est arrivé ici. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai vu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire. Aujourd'hui, donc, c'était un petit peu des concerts présentation, je crois, pour le public. Du coup, on jouait 45 minutes. Ça laisse aussi le temps d'installer une ambiance, de montrer un peu un panel de morceaux. Demain, on joue du coup au théâtre Edwige Feuillère, avec tous les autres participants de ce concours Jeunes Talents. Et donc, c'est chouette parce qu'on va pouvoir se rencontrer, s'écouter, parce que là, on va avoir un peu moins le temps. Et par contre, ce sera 30 minutes, un peu plus court et intense. Il va falloir faire des choix. Donc, effectivement, demain, ouais. Très hâte, parce qu'aujourd'hui c'était super, le public était vraiment avec une belle énergie, donc c'était cool. Puis dans le vagala, on hisse des voiles de soie, les nuits. Loin d'être calme, la coque trappe parfois. Les racines, les influences, moi, c'est beaucoup la musique anglaise, le rock anglais. Évidemment, des années 2000, on va voir les Strokes, les Arctic Monkeys, Kasabian. Et c'est également ma manière de composer, c'est souvent guitare-voix, un peu feu de camp, tu vois. Donc ça, c'est vraiment la base. Et après, bah, évidemment, je chante en français. En français, on va se rattacher. J'adore la plume de Gainsbourg, de Bachung. J'aime beaucoup Fishback aussi. Plus plein d'autres choses qui sont liées aux gens avec qui je travaille. Postulé à ce tremplin et on a été sélectionné donc parmi les 5 groupes qui vont jouer demain donc au théâtre Edwige Feuillère. Donc voilà, aujourd'hui c'était au centre de tri de la Poste. C'est super qu'on ait l'occasion de jouer deux fois parce qu'on n'est pas du coin. Tantôt courageux, tantôt chétif, tantôt ambitieux, tantôt timide, ils sont pareils. Et je suis accompagnée sur scène par Agnès et Romain, donc Agnès qui est aux clarinettes, si bémol et basse, et Romain à la contrebasse et au pad. Moi j'écris, je compose, j'arrange, des fois on arrange à trois, voilà, c'est à géométrie variable. N'enlève rien à ta grâce, tu m'enveloppes de toi. Tous les sujets que j'aborde sont en général des sujets qui me touchent dans mon être. Pour moi, il n'y a pas trop de limites sur les sujets qu'on peut aborder à partir du moment où je le dis avec une manière qui me convient. Malgré la pluie qui tombe en trombe sur nos trombines endormies, malgré le scotch qui ne tient plus sur le dessus du parapluie. C'est un des plus gros festoches de chansons françaises en France, donc forcément, ça arrive vite à nos oreilles, et puis du coup, je suis très content d'y être cette année. Avec les matins généreux et avec les rires fidèles, avec la récolte d'hier et le repas prêt pour ce soir, avec toi nu dans la rivière. Le projet solo Corentin Grélier sous mon nom civil, c'est 2019 que ça commence. Les influences en chanson française, les anciens décédés depuis longtemps, c'est-à-dire Brel, Brassens, Nougaro, Le Prest, Loïc Lantoine qui est vivant, lui, Batlick, que vous avez dû avoir ici, je crois, il y a quelques années, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et après, en non-chanson, plein de choses, j'aime beaucoup le rap français, j'écoute beaucoup de reggae, voilà, un peu, j'aime bien les bonnes chansons, donc après, quel que soit leur style, si le morceau me touche, je le prends. Première caresse, première tendresse, chacun fait preuve d'expérience.
et aussi rejoue son enfance. C'est pour ça que c'est maladresse. Parfois quand on tombe amoureux, parfois quand on tombe amoureux. Je vous présente monsieur Rémi Caprinello, s'il vous plaît, à la batterie et au cœur. Et monsieur Thibaut Gallois, s'il vous plaît, au saxophone baryton, aux percussions et au cœur. Je m'accompagne avec mon violoncelle, donc déjà debout, c'est peut-être un détail pour vous. Et puis donc je suis avec un saxophoniste baryton, un saxophone baryton et une batterie. Donc on fait des chansons plutôt péchues, plutôt à caractère social ou politique et léger. Enfin, le fond est pas léger, mais la forme, j'essaie de faire en sorte qu'elle soit légère pour que ça passe. Voilà, mais il est hyper connu en fait. Moi, ça fait des années et des années que je le connais, que je voulais participer et que j'y arrivais pas. Et cette année, Mystéo, ça a marché. Mais c'est un festival qui est vraiment dans le milieu de la chanson française. C'est un des festivals qui est très reconnu, connu, identifié, comme on dit dans le métier. Et je suis hyper heureuse de juste de pouvoir passer 2 jours et de pouvoir voir les autres d'autres artistes. C'est trop bien. Non mais on va s'en sortir. Je chantais, je regardais les chevaux au loin.